Hey ho, Matelou! Nous voici pour la mission numéro 9. Donc, on s'en est arrêté après avoir détruit plein de bateaux pour aller chercher un galion. Bon, là, on va aller à un fort. Alors, j'espère que ce fort n'est pas l'un des forts. Fort, quoi. Non, d'accord. C'est un fort à part. Donc, tant mieux. Donc, on va y aller, les amis. Et donc, il fallait attendre la nuit pour aller attaquer... pour attaquer les gens. Le fort de Ducasse, le gars ressemblait à Clint Eastwood au début du jeu. Donc là, on va ramasser le clampin qui est sur sa planche. Je m'amuse pas à ramasser tous les marchandises parce que sinon on s'en sort plus quoi. Regardez, il est beau quand même mon bateau, il a amélioré et tout. Je suis satisfait. Avec la petite proue là. Bon, pour le moment j'ai pas eu réellement de difficultés sur les options, les défis optionnels. Donc tant mieux. On verra après. Ah si, peut-être que la mission 3 ou jamais, un peu de mal. Enfin, ça, c'était un peu mal fait, là. Donc là, on entend des chants de pirates. J'en ai débloqué plusieurs, je dois en avoir une petite dizaine, en tout. Il y a du bateau là, ça rigole plus, c'est les Anglais ça. Hermione. Oh, ça se tire. Oh, bateau anglais contre 15 000 espagnols. Je joue pas les deux, c'est moi les Anglais. Oh, lui il va arriver, il va tous les faire. C'est pas mal quand même, les bateaux ils se font la guerre entre eux, je veux dire, sans que ça soit nous, ça aurait pu très bien. Faire ça, et c'est vrai qu'ils l'ont fait, et c'est pas plus mal. Donc voilà, on arrive au fort. Oui, donc c'est un fort à peu près comme je me suis fait tout à l'heure. Là, je pense qu'on va se poser, et ça va être une mission d'infiltration comme moi je les aime. Hop, on lance la mission, et je vous laisse, je vous reprends après la cinématique. Écoutez-moi, la coutume de notre confrérie nous dicte de ne pas foncer tête baissée sur l'ordre d'un seul illuminé, mais de se fier plutôt à notre folie collective. L'objet de nos désirs est un beau galion à gréement carré. Un atout de taille pour défendre Nassau. Alors je propose qu'on vote. Que tous ceux qui veulent se ruer dans cette crique pour prendre ce navire tapent du pied et crient aïe. Que ceux qui s'y opposent nous le fassent savoir. Jamais le conseil du roi n'a été si unanime. Donc voilà, c'est parti pour une phase d'infiltration comme moi je les aime. Ouais, je suis sûr que c'est ça. Ça ressemble un peu à la mission qu'on avait eu le droit quand ils nous ont présenté le gameplay. Bon, ce que j'aime bien, c'est que là t'as 15 000 façons de monter. Tu pourras recommencer 30 fois le jeu et tu reprendras jamais la même. Pardon. Bon, je reviendrai sur l'île exprès pour les trésors. Enfin, ça m'aimera bien, j'ai dit. Ah oui. Let's go!
D'accord, c'est pas pareil. Oh la vache. D'un coup, ça m'a foutu un de ces flips. Bon voilà. On continue, on continue, on continue. Il faut rejoindre l'orée de la jungle. Voilà, je pense qu'on a... On a été assez... Assez haut, je suppose. Au moment, en présence d'aucun garde. Ah, c'est bien ça. Oui, il y a un lézard. Dans l'eau, dans l'eau. Merci. Hop. Voilà. Oui, moi j'aime bien jouer fluide comme ça là. Ici là, on ne m'arrête pas. Ta gueule. Oh, t'es sérieux? Voilà. On est où? Tu t'es fait, toi. Mais non. Il est là où le truc. Je vais le chercher parce qu'il est là, un peu chiant. Bah c'est pas faute de l'avoir dit, il est chiant. Allez, oh, pareil. Oh là là, je vous jure. À mon avis, il faut que je monte là, que je cours là, que je saute la deuxième en ligne. Et hop, c'est fait. L'affaire dans le sac. Et on continue. Oh là là, c'est vraiment beau. C'est vraiment jeune. Hop, on s'en dessous, tranquille. Oh là là, mais regardez-moi ça, les amis. Et moi, un truc pareil, je campe ici, je reste ici, la vie, quoi. Oh, oh là là, c'est magnifique. Oh, et là-bas, on a le galion. Donc on commence à avoir le galion, c'est pas une mauvaise chose. Voilà, hop, c'est bien foutu. On le voit comme ça, ça fait badass. Et là, je suppose que si je saute, je me plaque. Alors est-ce que je dois sauter? Ah, j'ai sauté comme un mongol, il est pas dit. Comme un singe. Il a pas été pirate lui. Hein. C'est pas possible. Ouais. C'est pas ici. Il est sérieux? Très bien. Là mon pote t'es mort. Voilà. J'ai toujours pas d'objectif. Non.
sais pas comment je peux faire pour aller chercher. Il y a une échelle, mais... Passe. Passe aussi. Plutôt, je t'arrête. Non. Hop. Ouais. Eh, t'es sérieux? Oh, non, 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 Barto. Non, il retourne pas. Là, tu meurs, quoi. T'as fait capoter toute ma discrétion, là. C'est ça, le con. Tu as vu qui fait pour l'instant. Comme ça qu'on les jarte. Et on continue. Hop, on passe là. Hop, 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 hop. Oh, j'aime bien ces phases d'infiltration comme ça. Oh, là, 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 là. Oh, on est où là? Elle y arrive. Hop, tu dors. Prends-toi ça dans le ventre. Je sais pas pourquoi j'ai gardé dans le cul, mais... Hop, tu dors. Est-ce qu'il est haut le point d'observation ou est-ce qu'il est depuis, si je peux l'avoir? Oh non, non, il a l'air d'être à l'autre bout de la map. Ouais, vas-y. Ouais, non, en fait, j'y arrive un peu. Oh mais on s'est bien démerdé, je me suis retiré qu'une fois. Tu dis tu fais un peu. Ah si, je suis quand même assez bien. Bon alors le Juju il est où là? Rien comprendre, je vais niquer tous les mecs qui sont sur le bateau. Quoi? Il est sérieux? Il y a un mec? Non. En fait, je peux pas monter sur le bateau, c'est sérieux. Oh, tu vas me casser le poignet. Oh, le truc. Et si ce que je trouve dommage c'est de pas pouvoir s'y faire, enfin même si là il est trop loin. Vite, viens là.
Allez, dépêche-toi. Tu veux jouer à Lucas. Refaire un tour. Merci, tout le monde est ici, je suis peut-être plus caché. Regardez-moi ça, c'est beau. Est-ce que je peux choper d'ici? Non, je vois que je vais. Moi, je suis désolé les amis de vous faire attendre un petit peu. Hélas, mon taux d'infiltration, il y a un moment de patience. Et là, le moment que j'attends, c'est le moment pour lui sauter sur la tronche. Là, c'est Clint Eastwood version française, vu que c'est un français. J'espère pas me foirer parce que sinon ça va faire big fail ever. Tu te souviens du cadeau que tu m'as fait? Il fonctionne à merveille. Fils de putain! Aussi vif que la balle de mousquet, mais sûrement à peine plus malin! Je suis navré de te tuer, mais je vais pas risquer que tu dises à tes amis templiers que je suis toujours bien vivant. Je te plains, Boccanier. Après tout ce que tu as vu, après ce que nous t'avons montré de notre ordre, toi, tu préfères toujours la vie d'un voleur sans but et sans âme. Qu'est-ce que c'est? Ton ambition se limite-t-elle à de vulgaires grappillages, et tu es incapable de comprendre l'ampleur de notre tâche. Tous les empires de cette terre abolis, un monde ouvert, libre des parasites de ton acabit. Que l'enfer que tu trouveras soit le fruit de ton insouciance. La crique est à nous! Ne prenez pas. Ah! Quoi? Ouais! Waouh! Bon, on va essayer de la refaire. Du coup. Non. Dan. Oui, voilà. Dernier checkpoint. Mais quand je me suis fait repérer. Oh non, je vais pas dire. Le vieux con dans. La crique est à nous! Oh shit. Bon, bah voilà, on se fait pas la même chose. Bon, bah c'est tout, les amis. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une preuve comme j'ai fait pour deux des trucs. Que là ça ne va pas non je ne peux pas faire niveau 90% quand même. Donc je vais essayer de lancer vite fait une seconde mission, la faire rapidement si cette mission le permet, et puis voilà. Moi, ce que je comprends pas d'ailleurs en parlant de la petite image qu'on vient d'avoir, c'est que tous les templiers disent agir dans le bon sens. T'es déconnecté, alors je suis passé de donner quelque chose. Un petit cadeau de bienvenue. On offre des prix pour récompenser nos meilleurs employés. Et c'est tant mieux parce qu'au niveau des bonus, il n'y a rien de prévu ici. Je crois que j'ai dû en recevoir 11. Oh. Bonjour. Bien sûr. Je vais transmettre. Eh bien, on dirait qu'Olivier aimerait te rencontrer. C'est génial. Suis-moi. Il est au dernier étage, t'auras aucun mal à le trouver. Mais le reste du bâtiment est un peu déconcertant au début. Alors, notre équipe technique a mis au point une appli pour que tu te repères. Regarde ton communicateur. J'y ai ajouté l'emplacement du bureau d'Olivier. Tu le trouveras facilement. C'est pas beau. Olivier est un type bien, t'as pas tant fait. Elle venait me chercher.
fonctionne? Allô, allô? Ici John de l'informatique. On s'est déjà vu. C'est moi qui ai talonné ton Animus. Je suis un peu le Scotty de l'Abstergo Enterprise. Je m'occupe de tout le côté technique. T'as une minute ou... Oh, mais merde. Le tracker me dit que tu vas au bureau d'Olivier. Oh, bon, pas grave. Je t'appellerai quand t'auras fini. J'ai un service à te demander. Bonjour. Allez-y, entrez. Olivier vous attend. Bon, j'arrive. Je vais regarder vite fait s'il n'y a pas des QR codes. Bon, mais du coup, les amis... Les amis, ça sera peut-être un peu... Enfin, je vais peut-être pas refaire une mission, du coup, vu que j'ai... Je suis revenu là. Donc, c'est bien ce que je pensais. Donc, ça nous... Ça nous remet... quand... Ça nous sort de l'animus quand il y a besoin. Donc, question de ça, c'est pas trop mal. Ça m'évitera de louper des cinématiques ou de... d'avoir la paranoïa de faire ça chaque fois pour voir si j'ai pas loupé quelque chose. Vous pouvez y aller. Si vous entendez des bruits, des fois c'est chez moi. Oui, je vais y aller. Je regarde si t'as pas un QR code. Ouais, arrête de bien avoir un QR code dans le temps. Oh, attends. Ne vous en faites pas. C'est quelqu'un de très gentil. Ouais, c'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Eh bien, ah, c'est bon. Bah, eh bien, moi qu'on assiste. Voilà, ça c'est un QR code. Donc voilà, j'ai le QR code numéro 19, j'ai cru voir qu'il y en avait. Oh, ça c'est intéressant. Je crois que ça va faire façon portail, un peu dans le bail. Oui, oui. Tout à fait. On reparlera de tout ça à l'Assemblée des actionnaires. D'accord. Moi aussi, j'ai hâte de vous voir. À bientôt, Laetitia. Salut, ça va? Merci de ta visite, j'apprécie vraiment. J'ai jeté un coup d'œil à tes données. J'avoue que c'est du lourd. Tu sais ce qu'on va faire? On va juste nettoyer un peu tout ça pour toucher le public familial. Peut-être qu'Edouard devrait avoir une voix à la James Bond ou dans ce genre, pour jouer sur la séduction. C'est une très belle ville, non? Bon, la vraie raison pour laquelle je t'ai fait venir, c'est cette histoire d'observatoire. Tu sais cet observatoire qui est mentionné à plusieurs reprises dans tes images? Alors je voudrais que tu essaies de localiser ce groupe de mémoire le plus vite possible, s'il te plaît. En ce qui me concerne, c'est pas important. Je m'en fous complètement, mais ça fait plusieurs jours que des grands pontes d'Abstergo ne cessent de me les réclamer. Alors, suis toutes les pistes que tu trouveras et avec de la chance... Oh, j'ai un appel. Faut que je le prenne. Tu me tiens au courant. Bonne journée. Alan, bonjour. Oui, 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 tu vas bien. Naturellement. Salut, c'est encore John. T'as ouais, une seconde? Ah. Cool. J'ajoute un petit repère sur ton compte. Oui, je suis sûr que John... Alors, voilà. Ce matin, une de tes collègues est partie en vacances en oubliant de m'envoyer le fichier vidéo qu'elle m'avait promis. Comme je déteste à peu près tout le monde à ton étage, je me suis dit que tu pourrais m'aider. Il faut juste récupérer le fichier sur son ordi et le donner à la courtière quand elle passera. C'est super facile. Tu vas jusqu'à son Animus, tu te connectes et tu transfères les fichiers. Tranquille. Et traîne pas, hein. Sinon, je trouverai une raison de te détester. Voilà. Moi, je pense que John, c'est un assassin. Je pense que c'est un assassin infiltré qui bosse pour l'ordre des assassins, du coup. Et il va me demander d'aller chercher des petits trucs par-ci par-là. Ils connaissent leur métier. Et, ouais, je
suis donc monté à 5 ou 6 heures. Cette porte est fermée. Voilà. Donc là, on a accès à une. C'est l'un des avantages de mon habilitation de niveau 1. Maintenant, tu es là aussi. N'en abuse pas. Connecte-toi. Je vais te guider. 26 minutes, ok. Donc du coup ça me permettra de revoir les différents que je n'avais pas. Et voilà, c'est vrai. Ouais, je suis mal. Tu dois contourner le noyau pour accéder aux données qu'il contient. Ton communicateur les téléchargera automatiquement. Navigue jusqu'au cœur du noyau pour atteindre les données qu'il abrite. Oh, je sais pas du tout, ça a l'air d'être un peu comme sur Pokémon. Oh, ça a l'air d'être chaud, ça. Ah non, c'est... Il a craqué. Parfait. Le fichier devrait être téléchargé. J'ai créé une base de données pour toutes les informations que tu trouveras. Va voir dans la section « Mes documents » de ton communicateur. Tout ce que tu télécharges sera stocké ici. Protégé par un firewall, ça va de soi. Salut, pa. Tu sais, c'est marrant, j'ai un souvenir de toi qui arrive. Ah, c'est des souvenirs. J'y pense tout le temps quand je travaille ou avant d'aller me coucher. Parce que, en fait, il me calme, je crois. Je devais avoir 14 ans à l'époque. T'essayais de m'apprendre à marcher sans faire de bruit. Du coup, moi, je les regarderai comme ça, je vais pas... Et du coup, je peux faire ça avec tous. C'est galère, laisse tomber. Ah, c'est bon. Faut avoir un peu de chance en fait. Voilà, lui c'est un bordure. C'est celui à qui on a pris le sceptre à la fin du jeu. Deux, je crois. Là, ouais, c'est du 2 vu que dans Brotherhood il arrive à s'échapper. Ouais. Donc voilà, les amis, vous avez découvert un peu plus sur le jeu. Donc là, je suis content, on a débloqué l'habilitation numéro 1. Donc, ben moi, du coup, je. Dans la prochaine. Ouais, dans la prochaine vidéo, donc là, ça fait 29 minutes et qu'il faut que je rajoute encore la preuve comme quoi j'ai réussi. Passer sans me faire repérer. Je remettrai que le passage où je me suis fait repérer et puis je mettrai à la fin. Comme ça, ça évitera de faire une trop longue vidéo. Donc sur ce les amis, je vous laisse et on se retrouve dans l'épisode 9 où je continuerai à regarder les pièces d'habilitation numéro 1 et on se reverra après. Donc salut, on se retrouve. Alors, je vais baisser le son directement. Donc, c'est pour la preuve numéro 9, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on s'était fait repérer ici la première fois qu'on a joué. Et du coup, j'ai décidé de passer par le buisson. Les deux gardes-là m'ont donné beaucoup de fil à retordre. Je sais pas si c'est l'expression adéquate. Mais... Et donc voilà, j'ai réussi à les passer. Et puis comme l'autre il m'a énervé, je l'ai tué aussi. Donc voilà, on arrive à la crique. À la crique comme la bière. Donc là je me tape un arbre, normal.
Et une petite phase d'infiltration que j'ai laissée donc pour montrer que j'ai bien fait, ne prenez pas part au combat. Et donc là fallait localiser Julien Ducasse comme on avait fait, il est sur le galion, etc. Enfin comme sur la première vidéo. Donc voilà, sinon c'était pour vous dire, bah, je vais en profiter pour parler un peu. J'ai avancé sur les épisodes de Watch Dogs, j'ai tourné le 10ème, faut que je mette le 6ème sur YouTube. Enfin bref, un peu tout quoi. Sinon sur Assassin's Creed, je suis au 12ème je crois. Donc ça avance, petit à petit. Donc le garde, je l'attire. Voilà. Là, je ne sais pas ce que je voulais faire. Genre partais en arrière sans doute. Je sais pas. Voilà. J'ai pas grand chose à dire en fait, parce que c'est vrai que j'ai fait tourner. Tourner. Bon, lui passe à la casserole. Hop. Là, je passe sur la petite villa pour éviter les gardes. On traverse. Hop, on va dans l'eau. On fonce, fonce. Louf. Et on va tuer Julien Ducasse. Celui qui ressemble à Clint Eastwood. On arrive dans la zone. Tranquille. On se pose. Non, je vais. Bon, on monte. Allez, montre. Allez. Voilà, monte. Et du coup, bah là, il y a Julien Ducasse qui était là, mais j'ai pas osé foncer directement dessus. J'avais peur de me louper en fait. Ça a été un peu bête quoi. Et de louper le défi juste pour ça. Donc, du coup, je vais attendre qu'il refasse un petit tour du bateau avant de le choper. Là, il est en mode position fœtale, comme il y a Squeezie. Sinon, il fait très très chaud dehors, vraiment trop chaud. Une chaleur assommante. Je chante. Enfin bref. Donc voilà. Il va faire le tour, dépêche-toi. Toi aussi, muchachos. C'est-à-dire comme un tuto. Bon. Alors dépêchez-vous, jeune homme. Et là, il va passer. Et là, je vais passer en mode. Nous devons mouiller dans 4 ports cette semaine. En mode furtif. Voilà. Tac, je monte, Allez, monte. Tu te souviens de ce que tu m'as fait ? Il fonctionne à merveille. Fils de putain ! Aussi vif que la balle de mousquet, mais sûrement à peine plus malin. Tu n'avais pas tout tué. Je vais pas risquer que tu dises à tes amis templiers que je suis toujours bien vivant. Ce que j'aime bien, c'est comment ces cinématiques là où on tue le mec et puis on est dans le vide, ça vient vraiment de Assassin's Creed 1. Et c'est vraiment un bel héritage, c'est vrai que c'est toujours bien. Je me rappelle même dans Assassin's Creed 1, les persos ils se relevaient, enfin, ils marchaient. Tu avais des petites symbioses, ça s'appelait je crois. Et à ce moment là, faut que tu appuies sur A et ça changeait la caméra de vision. Même qu'il y avait un succès, c'était faire 75% du jeu en faisant ça. J'ai dû recommencer 3 fois le jeu pour le faire. C'était tellement absorbé dans les cinématiques, tu penses pas forcément à appuyer sur A quand il y a une symbiose. Voilà, la crique est à nous. Et donc voilà les amis. 80, 90 et 100%. Donc voilà les amis, je vous laisse sur ce plan. À la prochaine, bye et peace!